Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Software Inc. épisode 4 aujourd'hui et on va pouvoir continuer sur notre lancée. Alors je reprends exactement où on s'est laissé, même si j'ai énormément joué depuis la dernière fois pour tester pas mal de choses, notamment là par exemple si je fais charger, vous voyez que la sauvegarde automatique sur cette partie-là est en 98, donc quand même 10 ans après, j'ai un capital de 50 millions avec 42 produits. Donc voilà, je voulais juste voir ce qui se passait par la suite, donc là pour l'instant je me suis parce que personne ne fait quoi que ce soit. En offre, est-ce que j'ai du... J'ai pas de... Ah, c'est de l'hébergement que j'ai envie d'avoir, moi. Parce que l'hébergement peut rapporter pas mal en offre, là. Et ouais, donc ça, je vais pouvoir m'en occuper un petit peu plus tard. Alors, quelque chose que j'ai envie de changer, pour le coup, c'est... Alors, est-ce que je peux... Voilà, je peux attraper la table. Et ce que j'ai envie de faire, il me semble que quelqu'un l'avait proposé, c'est de transformer, en fait, ce bâtiment-là en bâtiment de serveur. Je pense que c'est une super idée. On va passer en construction et comment je fais pour détruire un mur? Ah mais oui, je dois fusionner les pièces. On va voir si je fais hop et tu fusionnes les pièces. Donc voilà, donc tout ça c'est une seule pièce. On va alors on va enlever ça. Hop, voilà, on va enlever ça aussi. Voilà, donc pas besoin de comment ça s'appelle, de frigo. Et ça a priori non. On veut que ce soit froid, pas chaud. Très bien. Par contre, toi, je vais te dupliquer. Et je vais te mettre... je vais en mettre pas mal. Je pense que je vais faire genre quelque chose comme ça. Ah oui, c'est vrai que je peux les mettre plus proches. Mais non, là, on est bien. Bon, vous savez quoi? Allez, tac, tac. Est-ce qu'on les voit à l'extérieur? Non, c'est dommage, ça. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... hop, clic droit. Je vais prendre genre la table. Je vais la déplacer. Et en fait, on va juste faire genre... Qu'est-ce qui se passe si je fais genre une rangée? Ouais, si ça devrait le faire. Si je le mets genre comme ça. Déplacer le meuble. On va le mettre comme ça. Donc là, je vais refaire entièrement mes serveurs hein, pour le coup. Parce que là, ils vont tous être copiés ensemble. Hop. Je sais pas si je pourrais... Je pourrais peut-être en faire plusieurs d'un coup. Qu'est-ce qui se passe si je fais genre... Tac, tac, tac. Et déplacer. Ouais, j'attrape les deux en même temps. Donc ça, on va le poser ici. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attraper la table, voilà, et on va la dupliquer. Ah non, ça me donne juste le serveur. Oh. Voilà. La dupliquer, voilà. Là, on est bon. Tac, tac, tac. Tac. Voilà, donc là, on se met plein de serveurs qu'on a qu'à se mettre, genre, comme ça. Et peut-être... Bon... On va rien mettre là, mais au pire, on pourra en mettre deux de plus là. Nickel. Et, ah, et maintenant, quelque chose qu'on va avoir envie de faire. Il me semble qu'on l'a débloqué, donc on va faire sélectionner tous les types de meubles. Et si on fait, genre, améliorer, nickel. Donc maintenant, j'ai des serveurs moyens, ce qui fait que ma puissance a tellement changé. Donc ouais, évidemment, ah oui, c'est vrai que je les ai tous. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire à nouveau ça, genre, sélectionner tous les types de meubles. Ah non, je vais pas... Ouais, moins, genre... je sais pas, moins peut-être. Bon, ouais. Non, vous savez quoi, on va tous les faire. Voilà, ensuite, je vais tous les connecter. Et maintenant, je vais en faire deux de plus en plein centre. Et eux, je vais les connecter entre eux. Donc maintenant, si j'y retourne, voilà, j'en ai deux. Donc j'ai le travail qu'on avait renommé en hébergement. Voilà, et là il a zéro processus lui aussi, et lui on va le renommer en travail. Donc ça c'est, j'aime bien l'avoir comme ça, donc j'en ai un pour l'extérieur et un pour l'intérieur. Et on a une puissance quand même de quasiment 1 giga de bande passante, 1 giga par seconde pour l'autre. Alors toi par contre, ça ils ne peuvent pas atteindre ceci. Ah. Bah c'est pas grave, ça veut juste dire que ça va se détériorer un petit peu, on trouvera un moyen. Du coup, c'est bon, on est bien là pour cette salle-là. Cool. Donc, toujours rien en hébergement, je suppose. Ceci dit, donc, notre équipe ne fait rien, sauf l'équipe marketing. Donc, on va faire... Vous savez quoi? On va faire pas mal de support. Le support est bien. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup bossé depuis la dernière fois. Enfin, j'ai testé plein de trucs, en fait. Je voulais regarder comment certains trucs marchaient, notamment la... ce que les différentes équipes faisaient à des moments donnés. Donc voilà, là on a fait plein de supports. L'avantage du support, c'est que c'est très facile à faire. Là vous voyez, donc si je... Donc support, c'est que ça. Là vous voyez.
On a un ticket en attente, un ici. Voilà, ça rapporte pas mal et ça demande pas beaucoup. Enfin, ça rapporte pas mal, j'en sais rien. Ça demande. Ah ouais, si, ça rapporte bien, ça c'est cool. Du coup, donc voilà, ça on s'en occupe. Et pour le reste, on a du coup que les programmeurs qui bossent, je crois. Alors, quelque chose qu'on peut faire, par exemple, j'aimerais bien les séparer en pièces, c'est-à-dire les laisser dans la même équipe, mais les séparer en pièces. Donc, j'ai une idée de ce que j'ai envie de faire dans le prochain épisode, enfin pour le prochain bâtiment, parce que beaucoup m'ont dit que le bâtiment était pas mal. Moi, je vous avoue que je suis pas complètement convaincu. Donc, je vais finir ce bâtiment-là, et ensuite, on y reviendra un peu plus tard. Voilà, on fait ça comme ça. Comment dire? Pour faire un autre. Enfin, moi, je pars du principe que du coup, une fois que la boîte sera devenue une multinationale, on rachètera quelque chose d'autre. Hop, on arrive au prochain niveau. Et là, on va essayer de faire quelque chose un peu sympa comme ça. Voilà, c'est pas ouf. Pour l'instant, vous voyez que j'utilise toujours que les trucs complets. Ouais, ça c'est pas mal. Ce qu'on pourrait faire par contre, est-ce que donc à ce niveau-là. Ça c'est pas mal. Et du coup, au niveau d'en dessous, on va se faire un petit. Non, un petit poteau, je pense. Hop. Ça correspond à quoi? Attendez. Donc le x2, il est. Là, hein, c'est ça, c'est. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça arrive ici. Ah, vous savez quoi? Je peux peut-être faire une marque comme ça. Ouais, voilà. Là, maintenant, je divise par 2. Et je peux venir ici et faire un tout petit. Ah, je peux pas. Les murs de la pièce doivent être décalés. Ok. Bon, ce qu'on va faire du coup, c'est que toi, on va te supprimer. En gardant en tête que c'est juste là. Je le garde des yeux. Merde. Ah, oh, j'ai dû détourner les yeux. Je crois que c'est celui-là. Attendez. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ouais, c'est celui-là. Donc, tac. Ah. Oh, c'est pas assez loin. Donc, je vais devoir faire ça. Oh, c'est trop moche. C'est super. Ouais, ça passe. Ça peut passer. Et du coup, ok, donc là on a un truc un peu plus sympa, on va mettre des fenêtres. Donc ça va être le bureau du patron. Donc on va remettre ça en reset. Voilà. Et tiens, j'ai vu des gens qui me demandaient comment je faisais ces murs-là. On les garde juste accrochés. Et ça nous les fait. Non, 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 non. Ça nous les amène tous ensemble, c'est rien de plus compliqué que ça. Ensuite, toi, je vais te laisser en solide comme ça, j'ai pas envie de faire plus. Et là, je vais aligner avec ce qu'il y a en dessous. Hop. Hop. Voilà, cet étage-là, il va être tout petit pour. Ah mince, est-ce que j'ai déconné? Ah ouais, non, les ascenseurs vont arriver juste là. Comment je vais faire? Je me demande si ça vaut pas le coup. Non, vous savez quoi? On va changer ça. Ça va être assez facile à faire. On va juste faire un mur. Comme ça, un mur comme ceci, et on va, si on attrape ces deux pièces-là et qu'on les fusionne, eux, on va juste les déplacer. Ah, je peux pas les déplacer. Ah, bon, bah, c'est pas grave. Heureusement que j'avais pas installé d'autres étages. Ascenseur. Voilà. Bon, bah, c'est un peu, c'est un peu. Ça va pas être idéal à l'étage de dessus parce que du coup vous voyez qu'on va devoir les mettre là. Hop. Ce qui est un peu proche de la fenêtre, je trouve. Donc voilà, faudra. C'est une des raisons pour laquelle j'ai envie de refaire un bâtiment. Parce que finalement celui-là déjà il est petit. Quand on y réfléchit. Donc ouais, on va changer ça. Alors, du coup, là déjà on va se mettre notre gros bureau du patron. Que j'ai envie de faire comme ça, c'est pas mal. Donc ça c'est le bureau du patron et on va peut-être avoir. Ça va être vraiment foireux ça, il n'y a pas moyen de le changer. Bon, ça va être compliqué. On pourrait. Non, ça va être vraiment compliqué. Tant pis. Ouais, ça c'est pas mal. On va mettre d'autres trucs. Bon, je vais avancer un petit peu sans vous. Juste le temps que ne serait-ce que je me mette mes propres idées en place. Et on va voir ce que ça va donner après.
Ok, donc là j'ai fait quelque chose que je trouve plutôt sympa. Regardez, donc voilà la tête du bâtiment complet. Hein, si on sort du build mode, vous allez pouvoir le voir. Alors ouais, pour l'instant il est très très blanc quand même. Il va falloir qu'on trouve une autre façon de faire ça, mais j'aime bien l'idée. Et notamment, j'ai mis une clôture là que je trouve trop stylée. Et donc, c'est comme ça hein, qu'on peut mettre tout ce qui est. Où est-ce qu'on avait vu tous les. Ouais, l'équipement. Non, c'était pas là. Outdoor, voilà. Donc là, si j'ai envie de mettre. Bah, oui, c'est. Voilà, c'est ça, c'est là que je peux mettre donc ça, les lampes, les petits arbres, etc. Donc c'est ici. Mais donc là, ça nous fait une sorte de balcon que je trouve vachement sympa, juste là. Et sinon, donc voilà le reste du bâtiment. Donc on va l'aménager lentement, sachant que je pense que pendant qu'on aménage ça, on va en fait s'acheter tout le reste et se construire quelque chose. Donc d'ailleurs, ça on peut le faire facilement. Juste, on va vérifier combien ça nous coûterait. Ah, ça coûte cher! Ça coûte super cher. On va aller jusqu'à la route là. 780 000 pour acheter tout ça. Mais maintenant, au moins, on a des places de parking. Ce qui fait qu'on va pouvoir enlever ça. Et est-ce que ça vaut le coup que direct comme ça on achète tout le reste ou pas? Là, ça nous fait 1 600 000. Bah, on va pas le faire. Je sais qu'on va gagner plus d'argent, mais dans un premier temps, on va pas le faire. Alors, ce qu'on va faire. Ah, par contre, ouais, regarde, faut juste que je regarde un truc. Si je sélectionne tous ces ordis-là, est-ce que je peux les améliorer? Non, je peux pas encore les améliorer. On est toujours en 87. Mais donc tout ça, c'est en train de s'occuper de tout ça, donc c'est pas mal. Alors, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est que si on remarque aux étages supérieurs, là, on a deux grandes pièces, là, on a une grande pièce. Et dans l'équipe Core, on a des programmeurs, on a des designers, on a des artistes. Eh bien, voilà comment je vais les répartir. Je pense que je vais avoir plus de programmeurs que quoi que ce soit d'autre. Donc là, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on la switch d'équipe, on la met sur Core. Ensuite, là, on va la mettre sur. Pop, 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 pop. Sur ça, limite d'utilisation, on va la mettre sur programmeur. Là, on la met aussi sur core et on la met sur. On va mettre les designers là. Et. Est-ce que ça fait payer? Ouais, et là, on va mettre les artistes. Hop. On va signer à core, très bien. Là, on va aussi la signer à core en fait avec le chef seulement. Hop, très bien. Ça, je ne sais pas encore à quoi ça va servir. Et peut-être. Je mettrai peut-être le marketing ici, en fait. Marketing sera là, et comme ça, tout ça, ce sera juste pour les chaudières, les trucs comme ça. Et on est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Il va falloir qu'on attrape des bureaux. Ah oui, non, d'ailleurs, par contre, les bureaux, eux, on peut les améliorer. Boum, super. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais en attraper un, genre dupliqué. Et ensuite, on va s'en mettre un peu partout. Donc là, ça, c'est le truc des programmeurs. Et est-ce que je nous les aligne comme ça? Attends. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais. 1, 2, 3. Là, j'ai pas assez. Ah, si, ceci dit, si je divise par deux, je vais peut-être avoir assez de place pour mettre dans 1, 2, 3. Je pense qu'il doit pouvoir passer comme ça. Ça, c'est pas mal. On re-reset. Alors, je n'utilise toujours pas son potentiel complet. Hein. Je m'en rends bien compte. Un jour, peut-être. Alors là, j'en ai combien? J'en ai 6, 12, 18. Bah écoutez, on va s'en mettre de plus hein, pour arriver à 20. Ok, donc là, on a de quoi mettre 20 programmeurs. Quoique, non, vous savez quoi, genre. Eux, on va quand même les bouger. Je trouve ça ridicule de ne pas les aligner juste à cause de. Ah. Juste à cause de la fenêtre. Ensuite, toi, donc c'est 90, ouais, donc c'est pas pour. Ah, mais non, je suis bête, il y a déjà des trucs. Ah, oui, par contre, ce qu'on peut faire, c'est que vu que c'est des programmeurs, je peux leur mettre. Qu'est-ce qui va marcher pour eux? C'est plutôt ça. Ouais, c'est plutôt la calculatrice qui va marcher pour eux, donc. Voilà. Là, je peux mettre tout ça. Donc, ça, c'est des petits objets qui vont donner des boosts. Je l'avais mis au marketing, je l'avais pas encore mis pour tous les autres. Voilà, eux ils ont un gros boost. Qu'est-ce qu'on va leur mettre d'autre? Ça c'est un peu pour l'environnement et pas mal pour les compétences. Bah écoutez, on n'a pas vraiment la place. On va s'en mettre un là. Voilà, on va se mettre une bibliothèque. Donc faudra qu'on se garde plus de place pour ça. Vous savez quoi? On peut également améliorer toutes les chaises. Super.
Qu'est-ce qu'on peut se faire? Décoration, voilà, ça va être important. Et on va s'en mettre peut-être. Alors, on reset la grille. On va s'en mettre un ici, ici. Là et là. Voilà, là, c'est pas mal. Ah, bah, on est déjà à 200. Bah, on va quand même mettre. Non, je vais pas forcément avoir besoin de plus de choses que ça. Par contre, on va mettre un frigo ici. Super important. Ça, ils ont pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'ils y aillent ailleurs. Donc, on va pas mettre autre chose là. On va pas mettre genre machine à café et tout. Je pense qu'on va le mettre. Je sais pas encore. On mettra une cuisine. Peut-être à l'étage du dessous. Je sais pas s'ils iront jusque-là. Ah, par contre, il faut que je mette les toilettes que j'ai prévues là et là. Et évidemment, de l'éclairage. Je pense que l'éclairage, je vais toujours rester genre sur les trucs au-dessus. Je trouve ça quand même beaucoup plus pratique. Super. Et ça me paraît pas mal ça. Ok, donc là voilà, on a une sorte de template de à quoi ça va ressembler. Oui, ça va, je peux vous désélectionner ou comment ça se passe? Voilà, donc là, oups, là j'ai ma première pièce qui va être pour les devs, qui est pas mal pour tout ça. Cool. Et ensuite, on va s'occuper des autres pièces un petit peu sur le même modèle. Donc ça, je vais. Ah non, je peux pas l'attraper. Je vais le faire sans vous. Hop. Mais ouais, donc ça on a dit que c'était pour les designers. Et là je pense que je vais juste m'en mettre genre boum et boum. Et ça sera pas mal. Alors, voyons voir ce qui va se passer maintenant. Donc, le parking, vous voyez on commence à avoir des gens de l'autre côté aussi. Et là, et vous voyez, donc là, on a nos programmeurs ici, on a nos artistes ici, et on a nos designers ici. Et donc, moi, je suis là dans le bureau du PDG avec la vue de malade. Plutôt cool. Et évidemment, donc, ce bureau-là, bah, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va l'assigner au marketing, accessible par tout le monde. Celui-là, on va le désassigner. Donc, normalement, demain, ils vont changer. Ah, donc, ils descendent tous pour aller jusque-là et je suis en train de leur expliquer des trucs. Alors, ce qu'on va faire maintenant. Ah, est-ce qu'on a des trucs pour. Toujours pas. Je veux de l'hébergement. Et bah oui, d'ailleurs, on a gagné combien avec ce. Il est où notre truc de marketing? Ah, il est là. 1 million 6, ok, donc on continue de gagner de l'argent, mais moins là. Comment ça se fait qu'on a gagné moins? 301. Ah, bah non. Construction. Ah, 900 000 quand même, toute la construction là. Ouais, donc faut qu'on fasse un petit peu gaffe. Moi, je me disais que vraiment, on allait avoir truc pas possible. Faut que je regarde si on recherche. Il n'y a rien à rechercher actuellement, ça c'est dommage. Et là, ça passe en rouge. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? De marketing, nanana. Ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est. On va fusionner ces deux pièces-là. Mais j'aimerais bien que vous vous cassiez, vous, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vos bureaux, ils vont disparaître. Genre. Boum. Voilà, vous allez être obligés de changer. Ça, on va s'en débarrasser. Et on va mettre plein d'autres de ces trucs-là, dupliquer. Voilà. Et toi aussi, on va te dupliquer. Voilà, comme ça, a priori, niveau température, ça devrait le faire. Ok, bah écoutez, ça me semble pas mal là, ça me semble beaucoup mieux. Alors, autre chose qu'on va vouloir faire, c'est gérer les équipes. Compatibilité, ouais, non. Alors, il faut que je vous annonce quelque chose, c'est que je compte virer tout le monde. C'est un peu violent, je sais. Mais je pense que ça va être bien au final. Je vais virer tout le monde, notamment parce que hein, j'ai bien vu tous vos messages concernant Maxwell, qui serait dans la mauvaise équipe.
Et ouais, clairement, lui, c'est un artiste. Mais l'autre, j'arrive pas à le trouver. Celui. Attendez, vous l'aviez appelé comment? Ouais, je sais. Ah, non, c'était pas Darius, non. Je sais plus où il est, l'autre. Donc, ce que je compte faire, c'est virer tout le monde, sauf moi, bien sûr. Et ensuite, m'occuper de réengager tout le monde. Alors, je vais faire gestion ressources humaines. Parce que ça va me permettre en fait de gérer automatiquement les équipes. Donc je vais pouvoir dire par exemple, bon bah je veux. Bah là il suffit de voir les pièces. Hein. Là, celle-là, j'avais dit qu'il y avait combien? 10... Il y a 20 places. Donc je dis, je veux 20 programmeurs et il va automatiquement m'engager les 20 programmeurs. Donc ça, c'est plutôt stylé. Donc voilà. Ouais, donc là on va attendre 3 mois que lui revienne de vacances. Et je suis assez curieux de voir. Ah ouais, là ils sont tous en vacances. Y compris le marketing, donc ça va pas avancer. Et on a pas mal vendu là. Distribution, on a dû payer. Nanana. Ah ouais, tiens d'ailleurs, en distribution, on s'en est pas du tout occupé. Voyons voir. Actif, oui, non, non, non. Faudra, j'aimerais bien qu'on crée le nôtre en fait. Alors, commission, déjà, on va regarder la commission. On vend que sur les trucs qui sont physiques, qui sont pas physiques, nous. Ah bah non, on va annuler. Cancel, 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 et cancel. Donc, on va créer le nôtre, qui va s'appeler Silverlight. Silverlight. Vous savez quoi? Silverlight Store, tout simplement. On va le mettre sur hébergement. Oui, on va l'ouvrir. Oui, sauf que redescendre les serveurs, lui on va l'appeler store tout simplement, renommer, et on verra si on peut faire plusieurs trucs dessus. Mais vous voyez que là on a le 227 mégabits de bande passante quand même, d'accord. Donc là, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on vend juste sur notre truc à nous. Tiens, support, on va le faire aussi. Accepter. D'ailleurs, les designers, ils se touchent un peu là, non? Là, on a les programmeurs qui bossent et ouais, les designers ne font rien. Donc, vous savez quoi? On va se prendre hop, du design et accepter. Donc là, normalement, eux, voilà, ils se sont mis à bosser. Ils sont pas beaucoup, hein. Donc voilà, on accélère un petit peu le temps. En tout cas, là, on gagne pas mal d'argent avec notre magnifique truc. C'est quoi ça? C'est notre capital qui est aussi haut? Oh, génial. Ah oui, tiens. Attendez, attendez, attendez. Avant que ça aille trop loin. On va faire nos parts et on va racheter nos parts. Donc on aurait dû le faire plus tôt. Mais ce que ça veut dire, c'est que personne d'autre ne va pouvoir nous racheter. Et surtout, on garde nos propres. On va pas devoir payer des dividendes à quelqu'un d'autre. Ce qu'on peut faire aussi maintenant, c'est. Donc personne n'a de brevet, ça m'intéresse d'acheter des gens qui ont des brevets. Si on regarde au niveau de la valeur, toi tu vaux quasiment rien. Du coup, on va tout te racheter. C'est-à-dire qu'on rachète pas la dernière parce que ça nous intéresse pas de les acheter eux-mêmes en fait. Parce que du coup, ils ont juste des licences originales. Enfin, ils en ont une, ok, très bien. Un produit, machin. Mais on veut surtout leurs dividendes, nous, voire les rembourser plus tard. Attendez, en valeur, on est juste là? Oh, c'est abusé. Comment ça se fait qu'on est juste là? J'ai dû beaucoup moins bien jouer que dans les autres. Quand moi, j'avais fait tous mes tests. Hein. Mais bon, ceci dit, ah, mais ouais, j'avais pas construit un nouveau bâtiment. Qui est quand même bien stylé, je trouve. Enfin, je veux dire, il est très 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 basique, mais ça va. D'ailleurs, ouais, j'avais téléchargé ça. Le HQ d'Adobe, donc qui ressemble à ça. Parce que je me suis dit, ah, peut-être qu'on va utiliser ça, peut-être que je vais pouvoir le placer, parce que, bah oui, il est ultra stylé. Et en fait, il est pas si ouf que ça, et dans tous les cas, je préfère construire le mien, en fait. J'avais beaucoup réfléchi, j'allais faire un truc sur Twitter pour vous demander ce que vous en pensiez, mais ouais. J'ai fini par décider tout seul.